merci à vous tous d'être venus ce soir. Nous sommes très très honorés de votre présence à tous. Un petit mot peut-être sur un défi. Je crois que le livre y est pour beaucoup. Jean-Claude Carrière aussi, je crois, au niveau de l'adaptation. Dites-nous tout. Et tout le monde était pour quelque chose. Mais avant tout, merci d'avoir organisé cette soirée ici. Merci à vous d'être là. Et quelle belle coïncidence, Saint-Valentin est puni la première. Donc, merci à tous les amoureux, tout court, et amoureux du cinéma aussi. Et juste lire un petit poème persan pour en l'honneur de l'amour. در بود نبود من اندیشه گمان ها داشت از عشق پیدا شد این نکته که هستم من être ou ne pas être, c'est une question posée bien sûr Shakespeare, et ce poète perse lui répond: mais l'amour m'a appris que j'existe. Voilà. Bon, maintenant la question, c'était sur le film. Pourquoi faire donc alors un film à partir d'un roman? Je ne sais pas. C'est parce que Frédéric Dumas était là, qui a lu le livre, qui voulait en faire un film, qui voulait produire un film. Et m'a présenté bien sûr à Michael Gentil. Et puis, ils ont vu toutes mes doutes et incertitudes. Alors, bien sûr, ils m'ont demandé de consulter quelqu'un. Donc, bien sûr, c'est Jean-Claude Carrière, qui, justement, bien avant, dès qu'il a lu le livre, il m'a appelé pour me dire que c'était écrit un bon livre, mais on peut en faire un film, en plus un film d'action. Donc, j'étais assez étonné. Mais alors, c'est lui, voilà, qui m'ont convaincu ce film. Et pourquoi vous voulez faire ce film? Franchement, Frédéric, quelle idée? Je suis venu pour avoir la réponse ce soir. Hein. Alors, la réponse, j'en connais depuis. Ça apprécie de voir autant de monde sur le salon. Je voudrais juste m'assurer qu'on a même les gens, ce qui n'est pas une comédie en rang. Je ne vais pas répondre à toutes ces questions parce que j'espère que le film va répondre lui-même. Je voudrais juste quand même remercier les gens qui ont. Parce que le film était quand même difficile à monter, à faire. Donc remercier les gens qui y ont cru, qui sont d'ailleurs au début du générique. Je voudrais aussi remercier les gens qui n'y ont pas cru, parce qu'ils nous ont donné la rage d'aller au bout. Je voudrais féliciter aussi les équipes françaises, afghanes, marocaines, allemandes, qui ont travaillé sur ce film. Et en particulièrement, on remercie aussi Laura Leclerc et David Calais de ce film qui ont fait un travail exceptionnel. Voilà. Donc, pour répondre à la question quand même de d'Atik, c'est vrai que quand on lit les livres d'Atik, quand on l'écoute, c'est un poète, c'est un conteur, quand on voit Terre et Cendre, on sait déjà que, effectivement, Pierre de Patience peut être un film. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est venu en disant « je ne veux pas du tout faire ce que j'ai fait d'intéressant, ce qui était normal, je veux faire plutôt… » Alors, il voulait bien avoir des références, c'était plutôt du bon kawaii, et donc la sensualité, tout ça. C'est pour ça que ça a été compliqué pour convaincre, puisque les gens se disaient « mais il a fait intéressant, il va faire autre chose ». Et moi j'ai pensé, j'ai dit « Atik, finalement, tu as le même problème qu'Abdelkéfitch ». Après la faute à Voltaire, quand il a fait l'esquive, personne n'y croyait. Tout le monde lui a dit que ça devait être une pièce de théâtre. Et donc, y a une personne qu'on avait réussi à convaincre à l'époque, Manuel Alduy, qui était à Canal à l'époque, à Ciné Cinéma. Donc pour moi, c'était le même enjeu pour Matic. Donc c'était. Voilà, quand on y croit, après, on défend le projet. C'était un défi d'adaptation, donc évidemment, la rencontre, il se connaissait très très bien. Jean-Claude a amené évidemment ce scénario incroyable. Enfin, moi je trouve que quand on a vu ce scénario, on s'est dit waouh, voilà, c'est assez impressionnant. Ensuite, évidemment, la réalisation, voilà, je vous en ai parlé. On peut aussi remercier Thierry Arbogast, parce que le travail sur la lumière était incroyable. L'autre défi de Michael, qui
même s'il avait soutien de M. 37 Orange Studio, il fallait aussi qu'il aille chercher le reste et qu'il produise sur place. Et puis après, évidemment, le problème avec le Chifte, c'est qu'on ne sait plus quoi dire parce que il est juste incroyable. S'il y avait moi, c'est pas là, il n'y a pas le film, c'est sûr. Le film me paraissait une occasion de remettre en question un mot qui est le mot action, et qui est un mot très mal défini comme beaucoup d'autres. Un film d'action, pour beaucoup de gens, c'est des voitures qui se carambolent, qui crachent. Et ce chapeau-là, c'est cool. Et il me semblait que dans le roman de Dati, qu'il y avait la possibilité d'une action intérieure, continue, très puissante, qui amenait le personnage d'un point à un autre. Comme ça, il y a différentes actions concevables. Celle-là ne sera pas la main, comment dire, la plus émouvante, la moins émouvante de toutes. Tu peux parler en austérieux. Bonsoir. Moi, j'ai vraiment rien préparé. Je ne sais pas quoi dire. Je suis vraiment contente d'être ici. J'ai l'impression que je suis. On est dans la famille, là, à côté de Jean-Claude. Asie, vraiment, avec son film, j'ai trouvé une famille tellement puissante, tellement jolie à Paris, ici. Et aussi, je veux remercier Elsa et Alexis, les gens de l'Opact. Jean Labatti, je ne sais pas s'il est là ou pas. Et ils ont fait une trappe. Il est à Berlin. Tous les gens de Pâques. Vraiment. Et je suis contente d'être ici. Vraiment. Ami Giorgino, quand même, il joue le rôle de cet homme qui est allongé des deux en train, il ne parle pas. Et là, il est toujours dans son rôle, il ne sort pas, il ne parle pas. Il offre quelques mots. Bon Saint-Valentin. Quant à moi, comme il a dit, et vous verrez pourquoi. Et voilà, la seule chose que je vais dire, c'est que avant qu'on commence le tournage, avant qu'on quitte la France pour aller au tournage, Jean-Claude Carré m'a dit, Hamid, apprends ton texte. Voilà, c'est la réaction. J'ai entendu et j'ai compris l'ampleur de la tâche qui m'attend. Donc, et grâce à cette formidable remarque et indication de mon cher ami Atir, je voudrais le résultat, je l'accepte. Celui qui est venu, alors c'est quoi mon texte? Les dialogues de Gauchiste. Il a pas appris par cœur, justement, le dialogue de Gauchiste. Permettre à tout le monde amical de saluer Pierre Attex, Jean-Paul Rappelon. Merci beaucoup à vous pour cette présentation. Et nous allons maintenant lancer la prise. Puis, on a un look parce qu'on a besoin de terminer aussi la présence de Sa Majesté Baladibor ce soir. Moi, l'ami Sidi Parnak, que vous avez peut-être vu son film, Osama. Il est là ce soir, il est venu. Merci Parnak. Merci beaucoup, merci. Très bonne projection, messieurs, dames. Très bonne soirée.